1xBet – надежный букмекер. Устанавливайте приложение 1xBet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xBet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надежном букмекере 1xBet прямо сейчас. Tactique et l'investissement qu'on a mis dans ce match, et bien sûr par le résultat qui est à l'extérieur un très bon résultat en Coupe d'Europe, même si je pense qu'on aurait pu et dû creuser un peu plus l'écart. Вы вчера говорили о том, что главное в предстоящем матче против ЦСКА будет дисциплина и командный дух. Вы довольны тем, как играла команда? Да, я доволен отдачей своих игроков и результатом, конечно, тоже. Мне кажется, мы на правильном пути в Лиге Европы, но, конечно, нам есть что совершенствовать. Oui, bonsoir. Est-ce que c'est le plan a fonctionné comme prévu et que c'est surtout le sens collectif de tes joueurs qui retient l'attention? Oui, oui, c'est le sens collectif, l'application tactique que l'on a mis tout au long de ce match, l'investissement dans la performance athlétique aussi, ce qui est indispensable pour le haut niveau, pour faire de bonnes performances, dans des conditions qui étaient très très difficiles, que ce soit par rapport à l'état du terrain et à la température qui était peu facile pour faire un bon match. Насколько сработал ваш план и насколько вы довольны коллективными действиями? Да, игроки выполнили все тактические установки. Мне еще понравилось то, что весь матч они физически выглядели очень неплохо. Все это необходимо для результата, без него он недостижим. Я бы подчеркнул еще, что результат достигнут в трудных погодных условиях, поле было далеко от идеального. Même si on sait que tout n'a pas été parfait dans le jeu, on a le sentiment que l'équipe ce soir, après le match de Montpellier, repart sur des bases un peu plus solides. Est-ce que tu restes optimiste ou ce groupe t'a bien être méfiant? Les deux. J'étais déjà après Montpellier, j'avais dit que les buts étaient une énergie positive de la part de l'équipe, une belle réaction. Ce soir, on a montré qu'on était capable d'être discipliné, organisé. C'est vrai qu'on aurait. J'aurais préféré qu'on mette un ou deux buts de plus, parce que je pense qu'on a eu des situations où on doit encore mieux jouer. C'est là-dessus où il faudra s'améliorer. Mais je ne suis ni optimiste, ni alarmiste. Vous pouvez l'être parfois. Je suis mesuré, je sais que dans le foot, tous les trois jours, il faut se remettre en question. Et on a fait une partie du chemin, on est qu'à la mi-temps de cette confrontation, de cette double confrontation. Et on a un match dimanche qui est très important en championnat. C'était quoi la question? Ouais, je me rappelle plus. La réponse était meilleure. Я попросил повторить вопрос, но коллега забыл, что он спрашивал. Тогда я переведу ответ. Мы показали, что мы можем быть... я понял, да. По сравнению с первым, с предыдущим матчем в Монтерье, команда прибавила. Вы согласны с этим? Да, мы выглядим сегодня лучше, более энергичными, более организованными. Мы могли сегодня забить не один мяч, а больше. Но в атакующих действиях нам, конечно, надо еще прибавлять. Я не могу сказать, что я оптимистично настроен, но в то же время я не испытываю чувства беспокойства перед ответным матчем. Мы прошли только половину пути, и мы понимаем, что мы делаем. Спорт Медиа Ньюс, Максим Смирнов. Я хотел бы спросить вас про поддержку команды, про ваш ультрас. Его очень мало. С чем это связано? Боятся морозов? Или очень сложно прилететь в Москву? Мы же знаем, что поддержка команды очень важна. То есть вы выигрываете, а поддержки мало. Расскажите про своих болельщиков.
Est-ce que vous pourrez nous dire quelques mots sur vos supporters? On a vu très peu de supporters de Lyon ce soir au stade du CSKA. Pourquoi les ultras ne sont pas venus dans ce match de ce genre? Il est très important d'avoir le soutien des supporters. Je ne sais pas. Je pense que c'est peut-être parce que le déplacement est très lointain et peut-être trop coûteux. Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse particulière à cette question. Je ne sais pas, peut-être le déplacement. Не знаю, возможно, ехать было очень далеко, и, возможно, дорога слишком дорогая для болельщика. Не знаю, объяснение. Pour revenir sur le match, est-ce que on a un sentiment que Lyon avait un grand capitaine ce soir, son gardien de but? Ce soir, ce qui m'a plu, c'est que j'ai vu plus d'un seul capitaine dans l'équipe. J'avais beaucoup insisté et je m'étais beaucoup appuyé sur le comportement de deux grands clubs, deux grandes équipes, le Real et la Juve. Et ce que j'ai vu ce soir m'a plu, même si je ne vais pas me comparer à ces deux grands clubs, mais dans l'esprit, c'est ce que je souhaitais, c'est ce que je souhaitais voir de mon équipe. Et très souvent, quand on a cet état d'esprit, il y a un résultat positif au bout. Donc, bien sûr, Kanto a assumé son rôle de capitaine, mais il y a eu, je pense, 14 capitaines avec les trois joueurs qui sont rentrés, plus tous ceux qui étaient sur le banc aussi. Et ça, c'est important en Coupe d'Europe et c'est important pour le football de haut niveau d'avoir cet état d'esprit si on veut avancer, si on veut gagner des matchs. Давайте вернемся к матчу. Наш вратарь Лиона показал себя настоящим капитаном. Согласны? Мне кажется, в нашей команде не один он заслуживает добрых слов. Не он один капитан. Я часто привожу своим игрокам в пример Реал и Ювентус. Конечно, Лион вряд ли можно сравнить с этими великими командами, но мне хотелось бы, чтобы наша команда была на них все-таки похожа. 11-14 капитанов. Столько должно быть в команде, которая рассчитывает добиваться успехов в больших турнирах. Добрый вечер. Кто успеет ли восстановиться Фекир к ответному матчу в Лионе и все. Est-ce que on verra Nabil Fekir dans le match retour à Lyon? Oui, il y a de grandes chances pour que Nabil soit présent jeudi prochain dès le début du match. Et j'espère qu'il le sera dès dimanche. Да, есть большая вероятность, что Фикер появится в четверг в ответном матче, но, возможно, он выйдет на тоже уже в воскресенье. Bonsoir Bruno. Est-ce que l'un des points positifs aussi de ce match, c'est d'avoir marqué un but sur coup de pied arrêté? Oui, parce que c'est une équipe qui n'avait pas encaissé de but sur corner. Mais le plus important, c'est d'avoir marqué un but, c'est d'avoir gagné le match. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Même si je pense encore une fois que si on veut être perfectionniste et si on veut encore franchir un palier, on aurait dû être encore plus efficace dans le dernier geste pour avoir un score plus large qui nous aurait permis d'être un petit peu plus tranquille. Вас порадовало то, что команда забила со стандарта, но только отчасти, потому что ЦСКА не пропускал после угловой. Но нам надо было забить больше голов. И в таких ситуациях перед воротами наши футболисты должны действовать более эффективно. Un petit mot sur la prestation de Marcelo, on en a parlé hier. En plus d'avoir coupé plusieurs ballons avec Barou et Jean Bouduet, il a aussi marqué des buts importants. Est-ce que c'est l'espoir pour toi qui revient à son nouveau niveau? J'ai dit hier que pour moi il était déjà revenu à son meilleur niveau. Le match à Montpellier avait été très bon. Ce soir il a été très bon dans le domaine défensif. Il a lui aussi assumé son rôle de chef de défense avec Jérémy Morel. Et il a concrétisé un but très très important sur coup de pied arrêté. Je crois que c'est son troisième. Donc c'est intéressant déjà. Voilà, mais pour moi j'avais aucun doute. Вернулся ли Марсело на свой прежний уровень? Марсело — тот, который забил гол.
Да, я отметил еще в матче с Монпелье, что он набирает форму. Он вновь взял на себя ведущую роль в обороне, и со стандарта он забил уже в третий раз в нынешнем сезоне. Да, Марсело похож на себя прежнего. Спасибо. Спасибо.